Boker Tov, de même qu'on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah ou prières face à une nudité, on n'a pas non plus le droit de dire des paroles de Torah ou des paroles de prières en tenant une nudité. Ça veut dire, je ne peux pas tenir mon organe et dire des paroles saintes, ça ne va pas. Non plus pas l'organe de mon prochain, d'accord ? Chemin Israël, on ne peut pas faire une chose pareille. Ça, c'est une chose plus ou moins évidente. Mais une chose qui est beaucoup moins évidente, et qu'il arrive que les gens ne fassent pas attention à cela. Je vais plus rentrer dans le détail, mais bon, c'est la halakha, je vous parle ici du Bnei Israël, d'Avodah Yosef, on en parlait, c'est des choses que les gens doivent savoir. C'est pas non seulement qu'on dit « j'ai pas le droit de dire des paroles de Torah en touchant l'organe sexuel de quelqu'un ou de moi-même », c'est pas seulement toucher avec mes doigts, avec mes mains, avec n'importe quel organe de mon corps. Or, très souvent, il peut arriver que les cuisses touchent notre verge. Les cuisses touchent les testicules de toute façon, il n'y a pas d'interdiction à cela. Il y a l'interdiction de dire des paroles de Torah alors que notre verge a un contact physique avec nos cuisses. Il faut faire attention, le type de slip qu'on porte, la situation de notre verge par rapport à la cuisse, faire attention à cela, parce que sinon tu peux étudier une matinée entière la Torah, en fait tu es en situation d'interdit parce que ta verge touche maintenant la cuisse. Donc faire attention à cela. Bien qu'on a dit la dernière fois que les testicules ont un statut de herva, d'une nudité, dans cette mesure on n'a pas le droit de dire des paroles Torah face à des testicules de quelqu'un, bien qu'on ne voit pas la verge, ça ne concerne pas le fait de tenir. Si maintenant nos cuisses ou même nos doigts touchent les testicules, il n'y a pas de problème à dire des paroles de Torah. Un autre problème, c'est qu'on touche une partie qui est cachée et ce n'est pas propre, on va dire. Mais disons, si la cuisse touche par exemple les testicules, ce qui est plus ou moins normal chez tout le monde, il n'y a aucun problème à cela. C'est uniquement si les cuisses touchent la verge. Baruch Adonai, l'Olam Amen va Amen.